Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec l'Éthiopie. Et on se retrouve, on essayait, je crois, de grappiller quelques petits points ici pour réussir à vassaliser le Yao. Dès que ça sera fait, je pense qu'on sera bien. Et après, bah, je sais plus trop quelles étaient nos possibilités, on regardera ça. On avait des constructions en cours, un diplomate qui foutait rien parce qu'il attendait de pouvoir se jeter là-dessus. Une armée qui s'entraînait donc, une armée qui était en train de s'employer à aller défoncer ces gens. On va enlever la pause. On va aller gérer ça. Faut absolument qu'on arrive à le vassaliser lui, parce que ça sera quand même un moyen très très intéressant d'aller par là. Alors on va aller dessiéger sa capitale. On va pas se jeter directement sur son armée. S'ils arrivent à refaire un peu plus de sièges, ce sera toujours ça qui nous servira. Alors on peut construire des bâtiments, mais ils coûtent une blinde malheureusement les bâtiments. Voilà, on va les dessiéger un peu. Et une fois qu'il sera suffisamment conciliant, on pourra prendre le truc. Alors on peut prendre une doctrine d'exploration. Ouais, vu qu'on a la tech en cours et qu'il faut qu'on termine, on va prendre ça. Parce qu'en plus le coût d'expulsion des minorités à moins 25%, on est parti pour s'en servir de ce truc-là finalement. Donc, du coup, on va essayer. Alors, on a réussi une conversion, parfait. Est-ce qu'on en avait d'autres intéressantes? On avait fait un état ici, non? On avait mis un édit. On peut convertir Kous. Ça coûte pas très cher. On est parti. Ok, le siège ici est tombé. Alors, est-ce qu'il nous aime bien du coup? Il est passé à 200, parfait. Parfait, parfait. Donc 200 parce que ça combien? Envoyer un don, libérer une de nos provinces plus 25. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi violent. Bah du coup, on va immédiatement lui proposer de le vassaliser et on va aller écraser les petites armées qui traînent par là pour la peine. Voilà, c'est cadeau, mon cher nouveau vassal. Donc du coup, alors on a des bateaux, plein de bateaux, ça c'est quoi ça? Des bateaux de commerce. On est donc ici, là on a quoi? Ça c'est de la galère, ça c'est de la galère, ça va là, ça c'est de la galère, et ça c'est de la galère, très très bien. Ah, on a réussi à reconvertir Mogadiscio, c'est parfait. On va donc jeter un œil à la suite ici. Aswan Esna. Esna, ça fait partie de ce qu'on veut convertir, donc c'est parti. Ici, est-ce qu'on avait dû mettre un édit? Oui, donc on va le virer. Hop, voilà. Au niveau des édits d'ailleurs, ça donnait quoi? Ici, on avait propagation des institutions. On l'a mis nulle part ailleurs, ce truc encore. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le mettre quelque part ailleurs? 008. Même notre capitale, c'est un peu lamentable, faut avouer. Ouais, non, franchement, ça avance à une vitesse un peu pourrave. Ça ira mieux une fois que là on l'aura, mais pour l'instant, c'est pas fou. Peut-être à Alexandrie, ça donne quoi, Alexandrie? Ouais, bof, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Bon, là, pas grand monde qui l'a. Alors, oui, vous m'avez demandé du coup où était apparu le commerce mondial. C'est apparu à Londres. Donc voilà, ceux qui m'avaient demandé, j'avais complètement oublié parce que vu que ça se répand partout, j'oublie complètement de regarder. C'est donc apparu à Londres, du coup. Donc autant dire que c'est pas demain si on l'attend. Alors ensuite, est-ce qu'on a moyen? Regardons un petit peu déjà quelles sont les revendications de notre nouveau vassal. Ah oui, on a pas mal déjà. On pourrait donc aller attaquer des trucs comme ça pour blober dans le coin. Surtout qu'Aïr a l'air d'être un peu dans le mal. Allié à Djéné et Tombouctou. Ok, donc ce truc là, c'est de la tech militaire 10, 11, franchement avec cette armée là, ça suffirait largement pour les écraser. De l'autre côté on a quoi? On a eux, Zazo, Zazo on a des Casus Belli aussi dessus, Zazo, Daomei et Djéné. Donc Djéné c'est toujours ça, Daomei c'est quoi Daomei? Kano? Daomei c'est ce truc là, donc c'est un peu plus gros déjà.
Mais il y a moyen de faire deux guerres pour faire blober notre vassal. Et comme de l'autre côté, ici, on est encore en trêve avec eux... Ah non, on n'est plus en trêve avec les mêmes looks, tiens. Intéressant. La trêve avec les Ottomans arrive en 1610 et nous, on n'est plus en trêve contre eux. On pourra donc complètement les attaquer, du coup. On a du casus belli sur eux. On a complètement des casus belli. Bon, on n'a pas 200 000, mais on a du casus belli. Aucun de nos alliés ne viendrait de son côté, Oman viendrait. Ah ouais, c'est peut-être un peu plus intéressant pour l'instant. Bon, là par contre, il va falloir mobiliser les troupes. On va donc envoyer une armée là. Au niveau des rébellions, ça va, on est bien. Toi, t'es une galéas. Tu vas là, toi. On a que des frégates primitives qu'on va envoyer protéger le commerce du golfe d'Aden pour l'instant. On va enlever la pause. On va regrouper nos bateaux. Tu viens ou tu viens pas, toi? Ok, tu viens. Voilà, parfait. Donc on a 10 galères, 10 bateaux un peu plus petits. Et on a complètement moyen d'aller bouffer un peu... L'ami Mamelouk, pour essayer de prendre un peu plus de puissance sur Aden. On a aussi moyen d'aller prendre ces trucs là pour en finir sur avancer sur Alexandrie. Bon, c'est de la province un peu pourrie, mais ça fait partie du nœud. Donc c'est pas forcément déconnant. Pour l'instant, le Mamelouk est trop puissant pour que j'envisage de mettre mon carrefour, enfin ma capitale commerciale ici, mais à un moment il va falloir y aller. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Financièrement, on est très très bien. Au niveau des révoltes, on est très très bien aussi. On va donc envoyer quelques armées en position. Vous allez vous mettre là. Alors au niveau des doctrines navales, il se passe des trucs en Espagne. Ok, très bien. Un commandant nous a quitté. Ah merde, on a perdu une revendication sur Zanzibar, on s'en fout. De toute façon, c'est de notre vassal, donc on n'allait pas l'attaquer. Alors, combativité des galères, plus 15%, puissance commerciale de la marine, plus 33%. Ah, ça nous coûte 150, hein, ça fait un peu chier de prendre ça. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de doctrine navale pour l'instant, mais clairement pas dans le thème. Donc, notre général ici est en vie, notre général ici est mort. Est-ce qu'on en a un autre? Oui. La noblesse s'inquiète. Ah, ok, d'accord. Un de stab, c'est cadeau. Ah merci. Merci la noblesse, juste au moment où j'allais attaquer. Pourtant, on néglige pas du tout nos défenses, on a mis des forts là. Ah, on l'a pas monté de niveau ce fort. Ah bah non, effectivement. Et effectivement, on aurait dû. Alors ça coûte un peu cher malheureusement. Mais on aurait dû, on va essayer de le faire. Pourquoi il nous coûte aussi cher nos bâtiments là? C'est quoi le délire là? Inflation, ah putain ouais, l'inflation. Ouais, alors l'inflation ça va pas descendre tout de suite en plus. Hein. On va claquer un peu de points pour la baisser. Voilà. Et du coup on va lancer un petit fort ici. Au niveau 4 à Alexandrie. Une révision des politiques économiques. Réduire le mercantilisme, non. Les bourgeois perdent 20 loyautés. Ah. Très très bien. On peut leur accorder des chartes. Alors par contre si je fais ça, ça va gueuler. Ils perdent 5 en affluence, si je fais ça ils vont monter de 5, reperdent de 5, ils vont être un chouïa au-dessus de 100. Mais du coup, ça va le faire. Hop, donc ils vont gueuler un peu et ils vont être un chouïa au-dessus de 100. Mais ça devrait passer. Donc il nous reste un emprunt qu'on va du coup essayer de rembourser sur le dos des Mamelouks. Là on va continuer de défendre le nœud et dès qu'on lancera la guerre, on regroupera les bateaux. Voilà, ça y est, c'est déjà terminé, ils ont perdu ce qu'il fallait reperdre, parfait. On a un mec qui ne fait rien, on va le rappeler et on va l'envoyer chez nos amis les Mamelouks. On va jeter un œil en speed. Alors le Mamelouk il a plus que 14 000 hommes et... Oman
10 000, ouais. On va les défoncer. Il n'y a même pas de... Il y a même pas de débat. Donc on va juste attendre que lui soit en haut, parce que mine de rien, il commence à être balèze le pays. Hein. Toi tu fais quoi? T'améliores les relations des dépendances? Ah, le droit de colonisation du nouveau monde des bourgeois. On va leur mettre. Hop. Ici c'était bon, ouais. Friction aux frontières. L'opinion. Alors l'Ottoman nous aime pas, on perd des points ou on perd du prestige et on perd la revendication du Caire. Non, l'Ottoman nous aime pas, j'en ai rien à cirer de l'Ottoman, merci. Ok. Alors. Même l'Ottoman peut assez difficilement nous attaquer dans le dos sur cette guerre, hein, normalement. Donc on va en profiter. Alors on peut prendre Beyan ou Katiris. Beyan c'est 6 et Katiris c'est... Ok, bon, c'est un peu de la merde de Casus Belli là, mais on va faire avec. Alors, Beyan, c'est parti, donc Oman vient, très très bien, pas de problème. Et c'est parti, c'est la guerre, on va directement aller assiéger là, ici. On va foncer jusqu'à la capitale. Et c'est parti, on va repasser en vitesse 2. Ah merde, notre maître instructeur qui meurt juste au début de la guerre, putain, notre 5 de discipline, quoi. Alors on a quoi? Plus de morale, plus de réserve. Ouais ben c'est pas ouf hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bah tant pis, on va prendre du moral. C'est pas dingue mais Ah oui merde, les bateaux. Les bateaux. Regroupez-vous les gars. Hop. Ici, on va aller avec cette petite armée s'occuper des trucs à droite à gauche. Voilà, ici on va se regrouper bien comme il faut. Voilà, on a 20 bateaux capables de garder le détroit. Ici, vu le nombre qu'il est, je devrais peut-être laisser des gens. Ouais, non, on va laisser quelques péons. Non, on va embaucher quelques péons parce qu'on a largement de quoi embaucher des troupes pour faire les sièges dans le dos. Avancée navale, on gagne de l'inflation et des points. Oui, on gagne des points. Moi j'aime bien gagner des points, avec plaisir. Ici, scindez-vous. Scindez-vous encore. Est-ce qu'on a le droit de passer? On a le droit de passer par Mara. Donc Mara a accordé l'accès militaire. On a 2 ans pour tout bouffer avant que l'Ottoman fasse chier. L'Ottoman qui arrive toujours pas à sa guerre. Hein. Donc on n'a pas l'objectif de guerre pour l'instant, c'est pour ça qu'on est dans le mal, mais ça devrait assez vite changer. Ici on a du siège, on a un de siège avec lui, c'est pas mal. Ici on a un du siège, on a 3 de siège avec ce monsieur, ben, très très bien, au moins il est bon à ça au moins. Ici on va bientôt terminer. Faut qu'on fasse gaffe que les 10 000 hommes de l'Ottoman ne nous arrivent pas dessus quand même. Parce qu'ici on a quand même que 2000 péons. Alors vous, toi tu vas là, c'est parti. On gagne bien notre vie, hein, faut avouer, par rapport à comment on galérait au début. Alors le siège ici est tombé, on va donc directement aller faire celui-là. Et avancer avec nos petits mecs, merde, on va aller s'occuper de ça. Donc ici, je sais pas où sont ces troupes au Mamelouk pour le coup. À mon avis, il doit être planqué dans le coin là. Est-ce qu'on a le droit de passer ici? Non. Il a pas pris d'accès militaire, donc ça. Il n'y va pas. Par contre, pourquoi tu bouges pas toi? Pourtant tu m'aimes bien. Ouais, bon, je sais pas trop pourquoi il bouge pas. Mobasa est en train de bouger. Ouais, Mobasa est en train de bouger. Bon. C'est pas que j'ai besoin d'eux, hein, mais. Ok, ici ça avance. Ah, ici on a... ok, on va choper 3000 hommes. On devrait les écraser normalement, même s'ils ont... Ah non, mais en plus c'est même pas des... Ouais, j'allais dire même s'ils ont le bonus, mais en fait c'est même pas de la montagne. Donc
Pas de problème. Ok, donc ces troupes visiblement sont en train d'aller se regrouper par là-bas. Donc faut faire attention, ils risquent d'arriver en force dans le coin. Du coup, on va se replier par là-bas. Ici, sa capitale devrait tomber incessamment sous peu. Ici, ça s'est tombé. On va à Darna. Hop. Bah, ça s'est tombé, donc on va aller faire un petit tour en Sirte. Voir ce qui se passe. Donc je pense qu'il va, il va se préparer à une attaque par là. Hein. Alors, au niveau des rébellions, ça va. Donc je pense qu'on peut se permettre une nouvelle conversion à Swan. C'est là, parfait. C'est parti. Hop. Ici ça ne tombe pas bien sûr, ça serait trop facile sinon. Donc là on se replie. Enfin, on se replie. On est en train de reculer, on va dire, stratégiquement. Si je peux aller jusqu'ici, ce serait pas mal. Ah, Benghazi est tombé, c'est parfait. Donc on va envoyer l'armée s'occuper de tout ça pour être sûr qu'il n'y ait rien dans notre dos. Nettoyer ce qui traîne. Ok, donc ici. On peut pas y aller pour l'instant. Ah si, on pourrait aller là, mais c'est pas forcément une priorité. On pourrait prendre une doctrine militaire. Plus d'effectifs des garnisons. Alors là non, par contre, on va la garder. Parce qu'il y a moyen qu'on puisse prendre l'institution avec le blé qu'on va récupérer sur cette guerre. Ça c'est quoi? C'est une flotte, on s'en fout. Il rentre sa flotte. Pourquoi est-ce qu'il rentre sa flotte? Non, il est en guerre que contre nous pourtant. Drôle d'idée. Hop, on va se répandre. On va essayer de faire 100% sur Oman et 100% sur les Mamelouks si on peut. Parfait, le siège est tombé, c'est nickel. On va pouvoir avancer. Alors, désastre imminent, qu'est-ce qui se passe? Ah, les nobles ont regagné un peu d'influence, c'est ça que vous me dites? Ils sont à 100.6 de nouveau, ouah, c'est pas très très grave. Ça avance à quelle vitesse? Ah, quand même, hein, plus 5 par mois, d'accord. Le 1er juin 1610, ah, faut pas non plus négliger. Alors, carrefour commercial, recrutement, mérite, province contrôlée, province civilisée, un niveau de développement d'au moins 30. Ah, et il n'y a pas d'événement qui va bouger normalement. Ce qui veut dire qu'il faudrait leur virer une province. Alors, en fait, il faudrait que je leur vire ça. Parce que cette province est beaucoup trop chère, mais 30 de loyauté directe, c'est carrément la violence. Sachant qu'ils viennent juste d'arriver à... Ouais non, je peux pas vraiment leur enlever une province, ils viennent juste de monter. Pour l'instant, on va attendre un peu. Pas de stress. Ok, son armée est là. Il va où? Il se tire. On va aller jusque là, tant qu'à faire, parce que vu que notre vassal est en train de s'emparer de ça, on va lâcher l'affaire. Donc on va se concentrer 2 secondes sur ici. En gardant un œil sur la minimap. Ah parfait, une nouvelle conversion. Je pense qu'on a commencé à être pas mal sur cet état là. Il reste Aswan qu'on est en train de convertir et Esna qu'on est en train de convertir aussi. Parfait, donc on a terminé avec cet état là. Est-ce qu'on a d'autres endroits intéressants? Farafra. Farafra, ah oui, c'est cette zone là. Donc ça c'est pas un état. Ici, quasi-brim là, c'est toujours pas possible. Ouais, 0,4 de puissance, puis j'imagine que ça coûte un bras. Ouais, de 56 mois c'est mort. On va pas faire un état de cette merde, hein. On va le convertir comme ça. C'est pas trop trop grave. Ça a coûté de l'argent, mais il faut ce qu'il faut. Ici, il n'a pas le droit de passage, ce qui veut dire qu'il doit être coincé, donc on va le poursuivre. Il n'y aura pas de raison de ne pas le faire. Ok, on occupe plein de trucs, parfait.
Arrête sur nos côtes, ouais, on s'en fout. Donc là on va le choper, c'est quoi comme terrain? C'est du désert, ok, très bien. On pourrait prendre une tech avec 7% de malus, on va pas le faire tout de suite, d'autant qu'on va avoir besoin d'un peu de points. Hop, vous descendez là. Ici on va écraser son armée. Le cristal de Bohème. Ok. Pourquoi pas. Ici on perd pour rien des points. Bon, on va aller assiéger. C'est pas un fort ce truc. Non, il n'y a pas de fort. La mecque. On va commencer doucement à aller vers Oman, je pense. On enverra l'autre armée par derrière là. Donc on va juste jeter un œil sur ce combat là. Il essaie de faire demi-tour mais ça va pas passer. Ok, donc on devrait gagner. Bon, ça va pas être une bataille ultra simple, mais parce qu'il a quand même un bon niveau. En plus c'est un planificateur défensif. On devrait avoir moyen de s'en débarrasser quand même. Ok, parfait. Donc c'est parti, il va s'arrêter là. On va renforcer un petit coup. Histoire d'être bien. Ici on va se regrouper et on enverra ces 2000 hommes renforcer les troupes. Ah, ici on commence à avoir des troupes. Alors ici on a un mec tout seul. Ok, on devrait pouvoir s'en occuper je pense. Toi tu vas là-bas. Ici on va se poser sur la capitale directement, c'est parfait. Combien de bateaux à Oman ? Flotte nationale Oman. Ah, il a que 6 bateaux. Ah, bah on peut sortir, c'est bon. On va aller se poser genre par là. Puis on fera un blocus derrière après. Au niveau des conversions. Carga. Un truc à 1,60 ici. Fayoum. Fayoum. Ah oui, Fayoum. C'est pas un état ça. Et si j'en voulais en faire un état, ouais, ça sera très rentable quand tu auras le reste, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Ici, au niveau des conversions, Mélinde, pareil, ça serait rentable, mais pas tout de suite. Ça coûterait 17. C'est le drame, quoi. Ok, on va commencer à être sur des trucs... Ah, ça c'est un état ici, mais c'est déjà converti, ça c'est déjà converti, ça c'est déjà converti. Ici pareil... Ici c'est pas un état, ça c'est un état, tout est converti. Je crois qu'au niveau des états, on commence à globalement être bien. Ça c'est pas un état, mais c'est un peu de la merde d'en faire un état. Ça aussi... C'est déjà complètement converti, ça aussi, donc c'est parfait. Alors oui, vous m'avez conseillé de faire des Nubiens une culture acceptée. Le problème, c'est que ils sont tout pourris, quoi. Enfin, ils sont tout pourris, ils sont pas assez nombreux, leurs provinces sont toutes pourries. Donc du coup, c'est compliqué. Ouais, bah du coup, au final, même faire de ce genre de truc des états, ça serait pas si déconnant. Bon, alors ça non, mais ici, ce serait pas si déconnant. Hein. Donc pourquoi pas. Oula, c'est quoi ça? Ah, ils se sont fait buter par des indigènes, les Mamelouks. Ah, la tristesse. Ah, c'est carrément la tristesse pour eux. Une aptitude peut-être achetée. Alors c'est en train de s'achever, donc c'est pas forcément dingue, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un plaque du blocus sur les sièges. Bah pourquoi pas, ça va nous servir pour faire notre seul siège avec blocus qu'on va faire, à savoir ici. Sur ce truc là, donc on va pas se gêner, on va le faire. Ah là là, la tristesse de se faire stack wipe par 3 indigènes, j'ai presque mal pour lui quoi. Bon, on va continuer de convertir les trucs en attendant la fin de la guerre. Donc ici c'est fait. Kassanje se prépare à attaquer Kikonja. Ok, pourquoi pas. C'est quoi ça? C'est Hormuz qui existe encore? Ah non, c'est les Timurides. Ce sont les Timurides. Ok, c'est parti pour un petit siège de la capitale. Ouh, qui commence à 21%, ça va faire plaisir. Et on dirait qu'on a notre vassal qui va là-bas, donc on va aller le poursuivre aussi. Ah, Oman est là, très très bien.
Vous allez vous arrêter à Benghazi et vous regrouper les gens. Donc là, ils commencent à se répandre un peu, mais on va utiliser cette armée pour aller s'en occuper très très vite fait. Là, économiquement, on est bien, ça fait plaisir. Bon, par contre, je crois qu'il va falloir qu'on prenne le risque de perdre de la loyauté des bourgeois, hein, parce que sinon, ça va bien bien partir en couille. Ouais, ça avance vite, hein. Ça avance très très vite. Hein. Perte de la loyauté, bof. Perte de la loyauté, non. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on décide de leur enlever une province. Ils en ont que 3 des provinces, hein, si je ne m'abuse. Ils ont ces deux-là. Ils ont rien d'autre. Ça ferait décoître leur loyauté de 7 si je fais ça. Et leur influence de 1-6, ce qui suffirait. T'as fait un peu chier, hein. En plus, il y a de l'encens qui coûte super cher. Sinon, faut que je leur enlève ça, hein. C'est le plus pourri, mais... Surtout que cette province-là est pas si forte en termes de... Mais là, si je fais ça, niveau influence, ça va vraiment partir en couille, hein. Si je leur enlève... 30 de loyauté, 10 d'influence, ce qui permettrait de leur redonner quelques petits bouts de trucs à droite à gauche, genre Mogadiscio, ça ferait monter leur loyauté de 3. Pff, oh, c'est pourri quoi. Ah, par contre, leur influence n'évoluerait pas du fait que la limite de 100 a déjà été atteinte. Donc la question c'est, est-ce que si je fais ça... Est-ce que si je fais ça, et qu'ensuite je leur enlève, ils vont perdre. Tiens, je vais tester. Je vais leur filer ça, de toute façon ça coûte pas cher. Ça va donner leur... Ça leur donne plus de loyauté. Et ça leur monte pas plus leur influence. Et maintenant, si je vais enlever ça. Leur influence de 4-3. Ok. Donc ensuite je me dis, tiens, je vais leur filer Alexandrie par exemple. Ou ça. Il est où le point commercial là? Oh, il est là, Alexandrie. Hein. Donc je leur donnerai genre Alexandrie. Hop, voilà. Et donc si je leur enlève ça, ça descend toujours. Par contre, leur influence resterait au-dessus de la limite de 100. D'accord, ok. Donc c'est bien ce que je craignais. Ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. D'accord, oui, donc effectivement, ils sont montés à 111 à cause de ça. Ok, très bien. Bon, on va leur virer. Ils vont gueuler un peu. Ah, je peux pas leur enlever. Bon, bah, je vais devoir leur enlever Gondar, je pense. Donc on va le faire, tant pis. Hop. Alors, ils vont pas être contents. Très très clairement, ils vont pas être contents. Bon, là c'était un test un peu bourrin, hein, mais c'était un petit test. Je pourrais leur donner 800 quoi. Enfin, ils me donneraient 800 si je fais ça. Donc là, ça donne quoi quand ils sont aussi bas en influence? Coût du développement plus 10, efficacité commerciale moins 10. Franchement, ça va. J'aurais vu pire. Hein. Surtout qu'ici on va se faire du blé grâce à eux. Très très bien, donc ensuite il faudra que je leur enlève encore une toute petite connerie. Tant qu'à faire, tant qu'ils m'aiment pas. Genre, ça c'est le café, ouais, mais le café et l'encens, ça c'est pas mal. Hein. L'ivoire aussi c'est pas mal, mais de toute façon je peux pas leur enlever. On va attendre un peu. On va attendre un peu de voir comment ça se passe. Une paix des Mamelouks, non. D'abord on écrase ton allié s'il te plaît. Ah merde, on perd de l'innovation. Ah, ça c'est la loose. Et quelqu'un qui... Il a pris la tech... Non, il a pas pris la tech, lui, pourtant. On pourrait prendre l'institution, absolument pas encore. Hein. Ici, ça avance de 0,38, 0,33.
être obligé, je crains, de prendre ces techs. Même avec un petit malus, tant pis. Ça va, hein, on a que plus 2 avec nos bonus à côté. Là, ça reste relatif. Hein, 469, on peut se permettre. On va donc prendre cette tech là. Et ici, on va attendre éventuellement d'avoir moins 5. Il y en a une nouvelle. On a une cavalerie légère africaine qu'on va prendre vu qu'on n'a pas de combat immédiat à prévoir. Puis de toute façon, on n'a pas une cavalerie de fou non plus. Ici, bah, vous allez directement aller là-bas, les gens. Toi, c'est pareil, va donc par là-bas. Quoique, non, en fait, je peux pas. Oui, non, je peux pas passer à cause du fort, mais on va envoyer ces 2000 hommes de l'autre côté. Ici, ça va tomber assez vite. Là, ils nous voient venir. Hein. Ils ont pris le Caire. Le Caire, n'importe quoi. Kazir. Ok, ce siège est tombé, parfait. On va donc pouvoir y aller comme des bourrins. On va envoyer notre mec avec du siège par là-bas. Pour aider un peu. Je pense qu'on peut repasser en vitesse 3. Alors ici, il est en train d'essayer de s'enfuir. Très très bien. On occupe des trucs, pas de problème. Donc monsieur va ici. Non, il va où? S'il va à Cus. Ah, je vais peut-être pas réussir à le choper. J'espère que je vais le choper. Allez, allez, allez. Parfait, on l'a chopé. Nickel, on va faire cette petite bataille. Est-ce que c'est un stack wipe? C'est un stack wipe, parfait. Et du coup, on va arrêter l'épisode sur cette petite victoire. J'espère que ça vous aura plu. Lors du prochain, je pense qu'on va faire la paix tranquillement à 100%. Donc on va taxer au Mans au maximum. Du blé, des réparations de guerre, des tournements de commerce, hein, tout ce qu'on peut. Et on bouffera le maximum possible sur le même look. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que cette petite guerre vous va. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.